Dans la situation historique du pays d'Haïti a traversé là, diplomate dominicain yo y a travaillé la journée con la nuit, yo pa gen dormi manger, yo kwè ce moment pa yo pour yo remettre pays d'Haïti yon coup historique. Dans l'émission plusieurs idées aujourd'hui, on vient de bien comprendre qui Jean République Dominicaine a vive dernier événement qu'a brûlé déroulé en Haïti là yo. Et qui opportunité yo wè pour yo capable remettre Haïti qui coup historique yo wè yo capable remettre Haïti dans un moment spécial, dans un moment difficile pays d'Haïti a traversé là. Restez ensemble avec nous en émission plusieurs. Éducation, information et bonne information, c'est caractéristique émission plus vérité ou avec New York. Mille merci. En pile l'amour, nous avons une bouche pour nous dire, mes amis, tout le monde qui a déjà rejoint une famille plus vérité. Ou même qui peut faire ça, fait ça. Quand il y a même partagé l'émission, invité vos amis, vos familles pour venir rejoindre une plateforme éducative là. Dans l'émission, ça, c'est éducation, c'est information, c'est bonne information, c'est ça nous fait. Vous connaissez bien ce qui s'est passé à Haïti dans ce moment-là. Depuis environ 72 ans, il a dégénéré complètement. Haïti tourné en pile ça, monsieur, qui est dans le rêve. Ça, monsieur, qu'on a chanté et bien concrétisé. Haïti tourné un état côté ces bandits qui a dirigé. Question bandit légal là, désormais, bandit, yo vin légal. Tout bon, c'est yo qui gagne contrôle de l'IA, c'est yo qui a coupé lâché. Premier ministre Ariel Henry, personne pas connaît jusqu'à un moment n'a pas enregistré l'émission ça qui côté lié vraiment qui plan gagner parce que il est presque impossible pour lui pour le retourner dans le pays d'Haïti parce que après j'aime dire dans l'émission avant tout vol international yo annulé vol l'état haïtien pas gagner même un petit avion pour capable et pour personnel président et autres personnel diplomatique yo et bien premier ministre hein, il pas connaît vraiment qui moyen pour atterrir Haïti. En Haïti, le pays a mobilisé tout côté qui gagne un bon terrain, plat côté au suspect, un hélicoptère ou un avion capable d'atterrir pour PM dans TK descendre, et bien la population a mobilisé, bandit, population, BESAP, tout côté, bagaille est extrêmement compliqué. PM n'a vraiment en difficulté pour TK retourner en Haïti. Son seul cause, bandit ou abdi, déyo net. Face à situation ça, qui position République Dominicaine? République Dominicaine, nous songeons qu'il était déjà annoncé. Président dominicain qui était annoncé depuis bien des mois qu'il était fermé frontière ensemble avec Haïti. Il y a une frontière qui n'est pas jamais ouverte. Frontière seulement, il a été créé un couloir humanitaire pour permettre aux Haïtiens d'entrer, venir acheter la mangeaille et puis retourner la caille. Mais frontière n'est pas jamais ouverte. Question visa. Checker visa. Bail visa. Vendre visa en Haïti, légaliser haïtien pour entrer en République Dominicaine, décision ça, président pas jamais tourné là-dedans, décision ça a été toujours campé, pas jamais bien question haïtien à voyager légalement sortir Haïti pour entrer en République Dominicaine. Frontière c'est comme ça le délire. Mais après renversement situation ça qui vient fait en Haïti. Situation a vient détériorer, mesure là vient endurcir. D'après l'information qui est rejointe dans l'émission plus sécurité, président est droit annoncé, président est pensé de l'aile sortie dans l'ONU, l'aile débarquée en République Dominicaine et après l'annoncer que les frontières sont fermées. Mais c'est une stratégie de communication qui dit attention, les frontières n'ont pas de jambes ouvertes. Songez les frontières où tu as annoncé déjà qu'elles sont fermées. Nous ne pouvons pas dire qu'on y a frontières qui sont fermées. Et bien, les frontières n'ont quitté le janvier, seulement ça n'a fait n'a pas endurci aussi. C'est ça qu'il faut voir. Au lieu d'y avoir annoncé, frontière fermée, eh bien, ouais, c'est ministre de la Défense là, qui était passé journée lundi 4 mars là, lui-même il a fait partout sur toutes les frontières pour lui assurer les frontières réellement, et puis il n'a pas volé pour lui assurer les frontières les fermer, les fermer réellement. Donc, j'ai souhaité ça de façon pour empêcher bandits ou bien n'importe quel autre haïtien qui avait une intention pour jamber en République Dominicaine. Dans ce moment-là, ça a été le couloir humanitaire. Il y a une pile analyse qui a fait. Est-ce qu'il y a un couloir humanitaire là ou bien est-ce qu'il y a fermé définitivement? Il y a une réunion qui a fait. Côté, il y a analysé, il y a suivi si PM Ariel Henry apparaît pointe-tête ou bien s'il ne apparaît pointe-tête pour connaître est-ce qu'il y a fermé couloir humanitaire ou bien est-ce qu'il y a toujours un couloir humanitaire.
Mais ils n'ont pas annoncé frontière fermée, c'est parce que frontière là, pour eux-mêmes, était toujours fermée. Eh bien, quand il y a seulement ça à faire, ils ont endurci les yeux. C'est ça que fait Nabzo. Quel que soit à côté ou à sortir en Haïti, soit c'est commerce, soit c'est commerce, ou bien n'importe quel autre business, ou bien c'est service que tu prétends d'avoir en République Dominicaine, pensez bien parce que c'est extrêmement difficile pour bien accès à la République Dominicaine dans ce moment-là parce que la sécurité a été renforcée considérablement sur toute ligne frontière. Dans l'aspect réalité du moment, c'est comme ça que les choses sont arrivées. Dans le suivi événement, est-ce que dans l'heure qui est venue, vous allez annoncer que vous fermez le couloir humanitaire yo, ou bien est-ce qu'il y a toujours qu'un bébé? Dans la prochaine émission Plus Vérité, elle doit bien comprendre qui ça, qui décision vous prend réellement. Mais dans l'aspect diplomatique, monsieur Sayo, il n'y a pas de dominance. La diplomatie République Dominicaine a travaillé la journée pour la nuit parce que vous voyez dans ce qui a passé en Haïti là, c'est le moment par eux-mêmes, vous voyez ce moment ça pour vous remettre le pays d'Haïti, un coup historique, une dette historique Haïti te gagné envers eux-mêmes, d'après eux-mêmes, eh bien, vous dites c'est le moment pour vous remettre Haïti pour ça. Qui vous dit? Vous songez toujours gagner 10 faits volants qui baillent. Qui c'est vrai, qui c'est pas vrai? Parce qu'il y a un historien qui dit oui, il y a un historien qui dit non. Il y a un historien qui dit Haïti pas jamais occupé la République Dominicaine. Il y a un historien qui dit oui, Haïti est occupé la République Dominicaine. Débat ça, c'est pas ça qui est en jeu dans l'émission Plus Vérité aujourd'hui. Peut-être dans la prochaine émission, vous allez bien comprendre est-ce que effectivement Haïti est occupé Saint-Domingue ou bien est-ce que Haïti pas jamais occupé Saint-Domingue vrai? Est-ce que c'est différent volant, c'est bon créer zigzagnie entre les deux populations. Mais je dis à qui ça me veut comprendre. Je veux comprendre que dans l'émission qui est venue là, corps diplomatique, monsieur diplomatie dominicaine, là travail d'arrache pour le si la République dominicaine est qu'à faire partie des missions Ariel Henry à le chercher. Des missions, yo dit qu'il vient pour débarquer en Haïti, en Haïti. Eh bien, la République dominicaine a fait toute sa journée pour le est-ce que yo est capable de gagner 2000 soldats qui filtrent parmi mission ça. Ça, c'est un rêve de la République dominicaine gagné depuis longtemps. C'était rêve tout président, c'est gagner une mission qui entrait en Haïti à participer, à occuper le pays d'Haïti. Parce que, même si en Haïti, il y a un historien qui dit Haïti était occupé Saint-Domingue, eh bien, bon Saint-Domingue tout, toujours gagné, ou nous, il y a toujours dit Haïti était occupé. Il y a ça qui même allait plus loin, qui dit que il n'y a pas plus développé, c'est parce que Haïti fait 22 ans, Haïti était occupé, c'est ça qui fait que en retard comme ça. Eh bien, bon, diplomatie, à un moment là, la fait qu'on le connaît pour le si vous êtes capable en 2000 soldats ou êtes capable de faire partie des missions. Après, soldats, ça vous fait partie des missions, vous garantis. Les pral créer un antécédent pour n'importe qui bagaille qui est en Haïti. D'ailleurs, charte internationale, c'est ça, vous dit. Depuis yon pays en difficulté, c'est pays qui pi pour là, li capable d'intervenir pour lui mettre la paix. Eh bien, bon, depuis monsieur créer antécédent ça. Yon antécédent durant longtemps, un antécédent depuis yon existé. Dans l'ADN, dans le mindset, vous connaissez que la population haïtienne n'a pas jamais accepté. La population haïtienne n'a pas campé en branle contre l'occupation, contre l'intervention de la République dominicaine en Haïti. Mais vous dites, si vous faites premier pas ça, vous entrez dans la mission qui vient, et eh bien, la prochaine fois, vous avez déjà compte route là, vous n'avez qu'à aller pour contre vous, vous n'avez qu'à remettre Haïti coup historique ça. Yon coup, la population haïtienne, nous sommes à 100% à chambre d'accord parce que traitement contentieux historique qui existait entre la République dominicaine et Haïti ne permet pas vraiment pour qu'il y ait une force de République dominicaine qui intervient en Haïti. Mais vous-même, vous croyez, dans le moment difficile Haïti a passé là, c'est le plus bon moment, c'est la plus bonne occasion de remettre Haïti pour ça. Si ça n'a pas fait, vous êtes capable de dire si on a un plus gros coup dans l'histoire du pays d'Haïti, si on a une plus grosse humiliation, si on a une dernière humiliation, peut-être. Qui est capable de réveiller la dignité du peuple haïtien si vous avez attendu la République dominicaine va faire partie de l'émission ça, ou bien si la diplomatie dominicaine a arrivé à imposer présence en dedans mission ça, que Ariel Henry a le chercher qui pouvait occuper le pays d'Haïti. Dans l'émission Plus Vérité, nous croyons que c'est extrêmement difficile parce que comportement, perception qu'a gagné des comportements d'un soldat dominicain, les papes même gens, avec perception, il y a bien des soldats dans l'autre pays. Parce que il y a un contentieux historique
Monsieur Sayo, il a habité Goumé déjà. Yon doué l'autre. Ça vient de faire que yon pas ka gagner vraiment. Yon pas quoi. Yon intervention de la République dominicaine. C'est comme yon intervention saine. Comme yon intervention qui vient pour mettre la paix réellement. Parce que pays Sayo, yon habité. Bien contentieux entre eux-mêmes, c'est yon toujours tirer toya sur l'autre, et bien c'est pas une vraie décision, c'est pas une bonne décision parce que ça peut amener la paix réellement en Haïti. Au contraire, ça capable même compliquer la situation en plus. Mais eux-mêmes, l'équipe diplomatique, il y a travail d'arrache-pied, il y a ce moment par eux, il y a désormais bien condition qui réunit, il y a capable franchir l'étape ça pour yon t'avoir remettre et d'Haïti pendant le cours pour ça. L'émission Plus Sécurité, nous souhaitons que ça va jamais répéter. Nous souhaitons que nous-mêmes, la République dominicaine, toujours été comme nos amis, comme nos alliés pays d'Haïti, nous va même dire amis, comme nos alliés dans différents aspects, de supporter Haïti, gens sont capables, gens sont voulés, gens sont capables, mais qui sont pour travailler, soldats dominicains, qui intervenir, qui entrer en Haïti, à participer soit dans une force internationale ou bien unilatérale, aller pour contre eux. Ce n'est pas un bagage, nous même dans l'émission ça, nous croyons qu'il ne faut pas le côté la paix en Haïti réellement. Au contraire, nous croyons qu'il y a une décision comme ça qui est capable de compliquer la bagaille. Puis plus toujours aller dans le pays d'Haïti. Parce que vraiment, là, c'est en face population haïtienne dans le grand campé. Et nous garantissons une réponse dans le cabane douce. Mille merci pour avoir été ensemble avec nous. À la prochaine pour nous présenter dans notre émission Plus Sécurité.